Mettons que vous avez seulement votre vélo pour déplacer, juste ce qu'il vous faut, la toute nouvelle Hakuna Matata. Les concepteurs ont pensé à tout. Votre vieux vélo, il rentre dans la valise. Puis si vous regardez par ici, là, la petite aiguille ici, là, elle descend vite. Puis l'autre, elle monte ben lentement. C'est pas tout, vous payez rien avant 2012. C'est fantastique, ce petit truc là. Qu'est-ce que je fais encore ici? L'annonce de votre nouvelle Hakuna Matata, puis elle m'intéresse. Oui, c'est notre meilleur vendeur, puis juste là en plus. Ça, mon gars, c'est toute une bagnole. Puis en plus, tu payes rien avant 2012. Je te donne pas une scène avant 2012. Ouais, exactement. Ah, parfait, on peut aller au bureau, je la jette. Attention, Guy! Pas de paiement avant 2012 ne veut pas dire aucun intérêt avant 2012. Eh oui, les intérêts s'accumulent chaque mois à partir de la date d'achat. Alors, lors de tes paiements, tu auras payé tous les intérêts qui se sont accumulés jusqu'à ce jour. Tu ne paies peut-être rien maintenant, mais tu paieras beaucoup plus en 2012. Il n'y a pas d'autre chose que je devrais savoir dans le contrat? Non. Là. Attention, Guy, il ne faut jamais faire confiance aveuglément à un vendeur. En effet, il y a plusieurs choses que tu dois connaître dans un contrat avant de signer, comme le lieu et la date du contrat, le nom et l'adresse des deux parties, la description du véhicule, soit l'année de fabrication, le numéro de série, la marque et le modèle, la cylindrée du moteur, la liste de l'équipement standard, ainsi que les options. Tu dois aussi connaître les caractéristiques de la garantie, le prix de l'automobile, ainsi que le numéro de la licence du commerçant de véhicules automobiles. Ah, ok, ouais. Ouais, ben, elle va vraiment en bas, cette Hakuna-là. Ah! C'est quoi ça, ce bruit-là? Hey, mon bumper! Maud char, cassin! Bonjour, ici Guy à l'appareil. Hey Guy, tu dois tout de suite aller voir le nouveau produit qui nous est offert. C'est le nouveau outil révolutionnaire pour notre cuisine. Va tout de suite voir au www.foodslicer.com. Ok, c'est bon, on va voir ça tout de suite. Ah! La Food Slicer est un incroyable produit. Il coupe tout plus vite qu'une couteau. Cela est le produit pour les amateurs de bonne bouffe. Tous les cooks vous le diront. C'est le crème de la crème pour le kitchen. Vous pouvez vous en acheter un pour le maudit price de 4 paiements faciles de 12$. En plus, c'est aisé. Toi, petit ébahi, devant ton écran, n'as plus qu'à pousser le bouton Acheter Now et tu auras la Food Slicer rien que pour toi très bientôt. Ouais, ben, j'espère que leur produit est meilleur que leur site. C'est bourré de fautes. En tout cas, si certains cuisiniers, mon ami, disent que c'est un produit miracle, ça doit pas être vrai. C'est bon, je suis convaincu. J'en achète un tout de suite. Attention, Guy! Tu n'as même pas vérifié si l'adresse de ce site débutait par HTTPS et s'il y avait un petit cadenas à droite. Sans ces informations qui te sont cruciales, tu ne sais pas si ta transaction est chiffrée, donc sécuritaire. Fais-tu affaire avec des gens fiables ou bien avec des escrocs? De plus, utilise ton gros bon sens. Un site plein de fautes et d'anglicismes n'est vraiment pas un bon présage.
Déjà? C'est donc un service ultra rapide. J'ai donc bien hâte de l'essayer. Ouais, ben, ça me prendrait de quoi pour essayer ça, ce beau petit produit-là. Eh! Un navet! C'est parfait, ça! Ouais, ben, c'est pas si miraculeux que ça, en fin de compte. Hey! Ça fait trois fois, ce mois-ci. Guy, as-tu fait des recherches sur cette compagnie? Connais-tu le numéro où tu peux les contacter ainsi que leur adresse? Et leurs différentes politiques en cas de problème? Toutes ces informations te sont cruciales pour être certain de faire affaire avec des gens honnêtes et pour les contacter en cas de problème. Comme dans ce cas-ci. Si tu connaissais la garantie et la façon de la faire appliquer, tu ne jetterais pas autant d'argent par les fenêtres. De plus, as-tu vérifié les détails de l'addition? Tu pourrais payer beaucoup plus que tu ne t'y attendais. Bon, moi, je vais y aller. J'ai d'autres consommateurs irresponsables à remettre sur le bon chemin. Maudite machine à bécane qui marche pas, ça fait trois fois ce mois-ci.